C'est sans doute la conséquence de l'accession pour la première fois d'un ex-banquier commercial, Mohamed Loukal, dont la plus grande partie de la carrière s'est déroulée au sein de la BEA, au poste de gouverneur de la Banque d'Algérie. À partir du 2 janvier prochain, les banques publiques et privées seront appelées à jouer un rôle plus actif dans la gestion des ressources en devise nationale. L'instruction de la Banque d'Algérie du 26 novembre 2017 qui définit l'organisation et le fonctionnement du marché interbancaire d'échange, les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise, va ainsi réformer une réglementation qui datait de 1995 et suscitait de nombreuses critiques. Parmi les mesures contenues dans cette nouvelle instruction figure une ancienne connaissance évoquée à plusieurs reprises au cours des dernières années par les responsables de la Banque d'Algérie. Il s'agit du marché à terme des devises.